Bonjour tout le monde, ça va bien? C'est encore moi, Sylvie. Je m'en viens te raconter une nouvelle histoire. Aujourd'hui, il fait très chaud chez moi, alors ça me fait penser au petit canard qui aime beaucoup se baigner dans la mare aux canards. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te raconter l'histoire d'un de ces canards-là qui s'appelle Plumard. Le voici. Allô, les amis? Hein? Alors, c'est lui, mon petit canard. On voit ici sa maman. Coin, coin, coin! Maman! Cancane Plumard. Puis-je avoir plus d'herbe à canard? Bien sûr, répond sa mère. Seulement, tu ne peux pas cancaner et manger en même temps. Mange proprement. Mais Plumard n'arrête pas pour autant. Coin, coin, coin! Où est papa? Il est parti barboter, lui dit sa mère en riant. Ton cancanage le rend fou. Alors, cancaner, les amis, c'est quand Plumard fait coin, 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 coin. Hein, ça, c'est son cancanage. Et le papa est parti reposer ses oreilles parce que Plumard cancane beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une fois son repas terminé, Plumard sort pour nager. Hein? Je te l'avais dit qu'il se baignerait dans la mare aux canards. Coin, coin, coin! Quel est ton nom? Coin, coin, coin! Quel âge as-tu? Coin, coin, coin! Et où tu vis? Demande-t-il gentiment à une grenouille. Comme tu es bavard, répond la grenouille en se sauvant d'un bond. Alors la grenouille a plongé sous l'eau parce qu'elle trouve que Plumard est trop bavard. Coin, coin, coin! Que faites-vous? Demande Plumard à un couple d'abeilles. Coin, coin, coin! Je peux plonger sous l'eau! Coin, coin, coin! Vous voulez voir? Mais les abeilles ne font que bourdonner. Tais-toi! Nous bourdonnons! Bzzz. Un chant et tu le gâches à force de cancaner! Alors, les abeilles veulent pas être dérangées dans leur champ. Plumard ne les écoute pas et salue joyeusement un escargot. Coin, coin! Devine comment s'appelle mon meilleur ami! Coin, 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 coin! Si tu ne le devines pas, je vais... Coin, 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 coin! Mais pour autant que Plumard puisse finir sa phrase, bien avant qu'il puisse finir sa phrase, l'escargot entend soudain un... Puis, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu un... On va voir c'est quoi qui s'est passé. Qu'y a-t-il? Demande l'escargot tout étonné. Pourquoi cesses-tu de cancaner? Effrayé, Plumard regarde l'escargot et lui dit. Coin, coin, j'ai avalé du duvet. Depuis ce jour, Plumard garde son bec bien fermé. Il ne veut plus jamais avaler du duvet, hein? Il s'est comme un peu étouffé. Pourtant, sa maman lui avait bien dit de ne pas cancaner en même temps qu'il mangeait. Mais là, il n'était pas en train de manger, mais un petit canard, on l'a vu dans une autre histoire, un jour, ça perd ses petites plumes de bébé, ce qu'on appelle son duvet, pour avoir des vraies belles grandes plumes. Et là, il a commencé à perdre son duvet, puis c'est ça qu'il a avalé, puis qu'il l'a étouffé. Mais Plumard, finalement,
On aime ça t'entendre, hein? L'escargot est inquiet tout à coup quand il n'entendait plus Plumard. Hein, c'est un peu, c'est lui. Plumard, c'est un petit canard qui cancane beaucoup. Alors j'espère pour lui qu'il va enlever sa peur de s'étouffer puis qu'il va recommencer à cancaner parce que c'est lui, Plumard, le petit canard. Il aime ça beaucoup, cancaner. J'espère que tu as aimé cette histoire-là. Je t'invite dans un prochain vidéo, dans une prochaine vidéo, à aller voir. Je te propose un petit bricolage, mais comme on avait déjà auparavant dans une autre vidéo fait un petit canard, j'ai pensé qu'on pourrait faire aujourd'hui l'escargot. Alors, si tu as le goût de faire ça, tu verras en dessous de la vidéo de l'histoire, il y aura un lien pour te rendre directement à la vidéo pour faire le bricolage. Puis sinon, ben, on se revoit à une prochaine histoire. J'ai été contente de te raconter cette histoire-là et on se reprend une prochaine fois. Bye bye!